Hello and welcome to the live question time for the Oenology chapter of Vine and Wine MOOC. My name is Elaine, I'm from Montpellier-sur-Pagro. We have here with us two professors. We have Aude Vernet, Professor of Oenology, who is conducting research on colloids and physico-chemical interactions. We have Laetitia Moules, who is lecturer in chemistry applied to oenology, and her research work focuses on the identification of tannin oxidation markers. So, thank you for being with us. We have had many questions, far too many questions for us to be able to answer them all, but we'll try to do our best. So, let us start with a question for Laetitia. Laetitia, let's go back to the two types of fermentation. Can you specify the sequence in time of alcoholic fermentation and malolactic fermentation? Are they one after the other, or can they take place at the same time? And for red wine, does malolactic fermentation take place after pressing? Okay. So the malolactic fermentation allows the reduction of the acidity of the wine by transforming malic acid into the lactic acid. Usually, the malolactic fermentation made by the lactic bacteria take place after the alcoholic fermentation, once all the sugar have been consumed. It can also take place at the same time. However, the lactic bacteria can also degrade sugar and cause an increase of the acidity with the appearance of lactic characters. In order to limit such risk, it's preferable that the malolactic fermentation is done after the alcoholic fermentation. Okay. So I have a question for Aude on vinification. In red wine, the red wine making chapter, we talked about two techniques for vinification using whole bunches and destemming and crushing. So do these two methods produce identical wine? Does the whole cluster method correspond to carbonic maceration? So these are two different questions. Right, the first one, so destemming and crushing versus full bunches. The difference mainly lies in the presence of the stems, which can be of interest because they can bring tannins. So usually stems are used when the grape variety has only low tannins in the skin, and this the use of the stem allows increasing the extraction and the level of tannins in the wine, and so to stabilize the color. So it's really interesting with given varieties, specific varieties. And it is not the same than carbonic maceration. In carbonic maceration, the objective is to favor, in fact, an anaerobic metabolism of the grape cells. So for this, we need to have as less as fragrant juices as possible, but in addition, we need an atmosphere of carbon dioxide. So the tank is first filled with carbon dioxide, and then the wood benches are sent to the tank under this atmosphere of carbon dioxide. So carbonic maceration, it's a specific
way of winemaking, which allow to the formation of specific aromas, especially fruity and spicy aromas. Okay, thank you. I have another question for you. We have somebody here who is planning to do an alcoholic fermentation with whole uncrushed Merlot berries directly put into barrels. And he is asking, or they are asking, what they need to plan in particular compared to a more classical integral fermentation with crushing. With crushing. I don't understand exactly the objective, but without crushing, there are some risks because in barrels, especially, the white related to the harvest is remain quite low, and the risk is that at the end there will still be some entire grape berries within the barrel. So the risk is first that it will be long to extract the juice, and so it can delay the alcoholic fermentation. And another risk is to have residual sugars at the end in the mark, so the risk of development of lactic bacteria. So I think this is the risks. These are the risks. And I don't see exactly the interest, especially in terms of extraction of tannins and anthocyanins from the skins. It may limit these extractions. Okay, thank you. Leticia, another question for you. It's about white wines. What happens to the mark after pressing for white wines? Is there a use for this mark? Yeah. So the mark is the solid part of the grape, the skin, the seed. So after crushing, the juice is fermented, it's a must, and the solid part is removed. The mark can be brought to the distillery. It can wash with water to remove sugar. And in the skin and in the seed, we have polyphenol tannins. So we can also remove tannins to use in the food industry or in the pharmaceutical industry. And in the seed, as we have oil, we can also remove the oil of the seed. Okay, and another question for you too. Is the press that is used for pressing white wine the same? Sorry, the question is, pressing the white wine the same as the press? I'm sorry, I don't get the question exactly. The pressure, is the pressure in the press for white wine the same than in the press for? I'm sorry, I don't get this question. So, est-ce que la presse utilisée pour les vins blancs et les vins rouges est la même? For red wine. La même pression. Okay. Ah, right. So as red wine. Okay. In the for the white wine, the crushing is before the alcoholic fermentation. So we use a program of crushing. To extract pressing, to remove the juice, and in the red wine, the pressing is after the alcoholic fermentation. So we can use the same type of press. And the program of the press depends of the that you want to do. You can optimize the program. Usually with white wine, you start at much lower pressure to avoid extraction from skins, whereas in red wine you don't mind. Yeah. So you can use directly
High pressure, which means yeah. In the order yeah. of 1.5 to 2 bars. Mm-hmm. It's not that high. Mm. Yeah. Okay, so it's just to avoid getting the color from the skins. In white wines, yes, it's to avoid extraction from skins, not color in white varieties, no. but tannins and potassium, mm. which decrease aroma. The acidity. Okay. Okay, thank you. So, order. Can flash pasteurization applied to wine reduce or even replace the use of SO2? No, not exactly, because the flash pasteurization is a treatment which is performed for the microbiological stabilization of the wine. So the objective is to reduce or even kills all the microorganisms in the wine. So in that sense, as sulfur dioxide is used to prevent microorganism development, it could help reducing the sulfur dioxide level. However, on another hand, sulfur dioxide is also an antioxidant and a very powerful antioxidant. So flash pasteurization allow to get rid of the risks of microorganism spoilage, but SO2 is still needed to prevent oxidation. Okay, thanks. So are there alternatives to treatment with sulfur dioxide, and what traces are left in the final product? And do you think they could be responsible for headaches in sensitive subjects, people drinking the wine? The molecules which are proposed to as alternative for sulfur dioxide? So concerning the headaches, I don't know. So there are some molecules which are proposed and tried now to replace the sulfur dioxide in the wine. So these, of course, these molecules are antioxidants. They must play the cell role. And as additives, of course, you will still find this molecule at the end in the wine. Are they responsible for problems, earth problems? I don't think so, but maybe it hasn't been proven yet. I don't know. Yes, maybe I think that the trials are underway, and it's a little early to. Mm. And there's another very similar question here, saying, what are the residues of treatment in the vineyard that we can find in the final product, and can they be eliminated by filtration? Usually, these molecules, residues of treatments, are very small, very, very small, and hydrophobic molecules. So the filtration cannot remove them, because the retention is made concern larger compounds, much larger compounds and particles. These residues are removed by adsorption on solids for fibers, bentonites. So it's not a filtration, but they can be removed by adsorption, rather. Okay. So I have a question on breeding and conservation. They're talking about how the Romans put their wine into pottery pots. Why do we not use pottery anymore? Do you have any idea why we are now using glass rather than pottery for wine? Pottery was an old way to store and transport the wine. Glass is much more safe in terms of control of the oxidation, because it's not porous. You can control oxygen dissolution using just by the corks. It only occurs at the level of the cork, and so it's much safe.
concerning the conservation of the wine, and concerning, I think it's aging, no? There is a question about aging in French oak barrels. No, but aging, breeding, is breeding meaning aging? Aging is different than conservation and storage. During aging, you need some oxygen dissolution, but usually it's not done in amphora. It's done in barrels. Okay, it's breathing, not breeding. That's what it is. I think. Yes. And so also there's another question about American oak barrels compared to French oak barrels. How do you choose the oak that you're going to use? Is there a difference? So there are differences between oaks, of course. And the choice of the oak depends. The objective of oak, there are two objectives, in fact. First, the porosity of the oak allow a slow dissolution of the oxygen, which is very important for the chemical changes that occur during the aging. And this second important factor when aging a wine in barrels is the extraction of compounds of interest from the oak. And this compound may be elagitannins or aromas. So depending on the oak origin, and not only of the origin, depending on the heat treatment performed of the oak on the oak wood, you will introduce different aromas, different types of aromas. So yes, the origin of the oak has an importance, but also treatment of the wood. Okay, and so the French treatment of the wood and the American treatment of the wood. I think it's more the oak variety, which introduce different aromas. Mm. It's more the oak variety than the modulated by the treatment, but the variety is important. Okay. So for tasting. You say that, I don't know who would want to answer this one. I'll ask the question and then we'll see who wants to answer. You say in the MOOC that old vintages must be decanted. However, this person who has asked the question has read that this should be avoided so as not to rush these old wines and to weaken them. So how do you feel about that? Yeah. Who would like to... Settling is an operation that consists in separating the deposit from the liquid part of the wine. This involves by transferring the wine into a carafe. The immediate consequence of this action is that. The wine is saturated in oxygen. Yes, saturated in oxygen. Yeah, because the contact with the oxygen is violent. That is made detrimental to the wine if the wine has a low concentration in tannins. However, this. This operation allowing to remove the reducing character, reductive character, often present in the hard wine after a long storage. In bottles. In the bottle, yeah. So the settling is justified for the hard wine. With a high tannin content, and that you have a deposit, because the deposit can be have an impact on the tasting. It's not very When you drink the wine and you have some particles in the mouth, it's not good. It's not good. Yes. Although the decanting, I imagine, has to be very gradual and gently done. It's not just tipping it into a carafe. No. Yeah.
And I think that when we said saturated in oxygen, it's a little exaggerated. Yeah. But you dissolve quite a significant amount of oxygen. Okay, so let me see. I think that's going to be all for today. We still have so many questions that we're just not going to be able to answer. I'm sorry about that. But maybe on the MOOC we can put some written answers in and you can have a look to see the answers to your questions in written form rather than here live. So thank you very much for coming. And we're going to do this again in 2 minutes in French with Cécile. And next week is the last live because you're very nearly at the end of this MOOC. Last but not least, thank you very much. Thank you. See you next week. Thank you.
1. Bienvenue sur le live du MOOC Vine and Wine. On est du coup au troisième live et celui-ci est consacré à l'œnologie. Pour répondre à toutes vos questions, et elles sont nombreuses aujourd'hui, on a deux invités, du coup Aude Vernet et Laetitia Mouls, toutes les deux qui travaillent et qui sont enseignantes à Montpellier Supagro. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Bonjour, effectivement. Commençons du coup par une première question. C'est plus une demande sur les deux types de fermentation. Je m'adresse à toi, Laetitia, et je te lis la question. Pouvez-vous préciser l'enchaînement dans le temps de la fermentation alcoolique et de la fermentation malolactique? Est-ce qu'elles ont lieu en même temps? Est-ce qu'elles ont lieu en différé? Et si je me souviens bien, est-ce que pour le vin rouge, est-ce que la fermentation malolactique a lieu après le pressage? Ou le pressurage. Pressurage. Bonjour. Donc, la fermentation alcoolique est une fermentation qui permet de transformer les sucres en alcool. Donc, elle est réalisée par les levures. Et ensuite, on peut choisir de procéder à une fermentation malolactique. Son but, c'est de réduire l'acidité des vins parce qu'en fait, cette fermentation qui est faite par les bactéries permet de transformer l'acide malique en acide lactique. Donc, en général, on procède à la fermentation malolactique à la suite de la fermentation alcoolique, mais on peut parfois la trouver, elle peut être réalisée parfois en même temps. Mais cependant, lorsque les bactéries sont en présence de sucre, donc durant la fermentation alcoolique, il reste encore des sucres, le problème, c'est que ces bactéries peuvent utiliser ces sucres. Et à ce moment-là, il y a un développement, donc une augmentation de l'acidité, avec possibilité de piqûre lactique. Donc, il est préférable de procéder à une fermentation lactique une fois que la fermentation alcoolique sera terminée et donc que le contenu en sucre sera épuisé. D'accord. Donc, pour des raisons de milieu, il vaut mieux faire l'une puis l'autre. Ok. Des questions sur la vinification, Aude. Dans le chapitre sur la vinification en rouge, on parle de deux techniques de vinification. Une sur les grappes entières et l'autre après un égrappage, foulage. Est-ce que ces deux méthodes produisent des vins identiques? Et on a une question, je pense, qui est directement une question pratique, puisqu'il y a quelqu'un qui envisage de faire un foulage intégral avec des baies entières. Une FA. Une fermentation alcoolique. C'est ce que tu vois. Intégrale sur des baies entières avec du merlot, non éclaté directement en barrique. Et qu'est-ce qu'elle doit prévoir en particulier par rapport à une fermentation intégrale plus classique? On répond alors. La première question et on verra le cas pratique après. Je retenu la première question. Donc, en cuver des grappes entières par rapport à des baies foulées et grappées, la différence, ça va être au niveau de la rapidité à laquelle on va récupérer du jus, à laquelle le jus va s'écouler et donc à laquelle on va avoir dans le milieu du moût pour démarrer la fermentation, mais ça va se produire quand même assez rapidement avec des grappes entières aussi. La grosse différence donc vient de ce qu'on en fait, on en cuve également les rafles. Donc ces rafles ne présentent pas nécessairement un intérêt, elles peuvent présenter un intérêt parce qu'elles sont riches en tanins, et donc leur intérêt est, à partir du moment où elles sont bien lignifiées et qu'elles n'apportent pas de risque de saveur herbacée, leur intérêt est de permettre d'enrichir en tanins dans le cas de variétés, donc de variétés de raisins, pour lesquelles les baies sont en fait présentent des déficits en tanins, et donc ces tanins ensuite permettent de stabiliser la couleur, d'apporter des caractéristiques organoleptiques effectivement différentes en termes de perception en bouche des vins. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un choix qui est fait année après année, juste au moment de la vinification, ou est-ce qu'on sait? Non, certaines variétés, on a tendance à vinifier en vendange entière. Et effectivement, en fonction des rafles, si celles-ci sont très peu lignifiées, bon, on va ou pas en mettre, on raisonne aussi par rapport aux rafles. D'accord. Voilà. Alors, la seconde question, alors, c'était plutôt un cas pratique, je pense, puisqu'il y a quelqu'un qui envisageait de faire une fermentation alcoolique intégrale avec des baies entières, non éclatées, directement en barrique. Que dois-je prévoir en particulier par rapport à une fermentation intégrale plus classique pour moi, égrappée foulée? D'accord. Le problème d'encuver ou de mettre en barrique, dans ce cas-là, des baies entières, ça va être que les baies... Pareil, les baies en fait
s'écrasent sous le poids de la vendange dans une cuve si elles ne sont ni foulées ni grappées à la base. Et donc en barrique, le poids va rester limité puisque la hauteur de vendange va rester limitée. Et le très gros risque, à mon avis, c'est de se retrouver avec des baies entières en fin de fermentation. Et qui dit baies entières en fin de fermentation alcoolique, dit fermentation alcoolique incomplète, justement, donc sucre résiduel, et risque d'arrêt de fermentation avec des sucres résiduels et de piqûres lactiques. Après, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que ça peut apporter. Ça va limiter l'extraction des composés phénoliques qui se fait quand même par contact entre les parties solides et les phases liquides. Donc, je ne suis pas sûre que ça apporte un plus. Et par contre, il est évident que ça peut introduire des risques en termes de fermentation alcoolique, fin de fermentation alcoolique non maîtrisée. Ok, merci. On va passer à la vinif en blanc cette fois-ci. Et je me retourne vers toi, Laetitia, mais si vous voulez vous compléter, n'hésitez surtout pas. Alors, la question au départ était que devient le mou du vin blanc lors du pressurage? On s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc on a transformé le mou en marc. Peut-être déjà, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre le mou en marc et le marc, pardon? Alors, lors d'une vinification en blanc, donc quand la vendange arrive, on va procéder à un pressurage qui permet de récupérer le jus, donc le jus c'est le mou, et de séparer donc du jus les parties solides que sont la pellicule et les pépins. Donc là, on a le marc. Donc le marc est enlevé et le jus est vinifié. On va procéder sur le mou, en fait, à la fermentation alcoolique pour transformer le mou en vin. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce marc? Alors, le marc, on peut le valoriser. Donc, il est en général à porter dans les distilleries. Donc, on peut le laver pour éliminer, donc récupérer les sucres. Mais également, dans la pellicule et dans les pépins, il y a des composés d'intérêt, notamment les polyphénols, donc qui peuvent être extraits. Donc, on peut s'en servir dans l'industrie agroalimentaire, mais également dans l'industrie pharmaceutique. Et dans les pépins, en plus d'avoir, donc, on a des tanins, on a également des hautes teneurs en lipides. Donc, on peut récupérer ces pépins pour en extraire les tanins et récupérer aussi l'huile. Voilà, donc on peut valoriser le marc de différentes façons. D'accord. Alors, on a bien vu qu'il y avait effectivement une vinification en rouge et une vinification en blanc qui se faisait de façon différente. Et il y a une question sur la comparaison, justement, sur est-ce qu'on utilise les mêmes pressoirs, les mêmes outils pour faire de la vinif en rouge ou en blanc? Et est-ce que aussi la presse a la même pression quand on traite pour faire le vin rouge ou le vin blanc? Oui, on va pouvoir utiliser le même type de pressoir. Donc, un des pressoirs qui est assez couramment utilisé dans la vinification en blanc pour le pressurage, c'est les pressoirs pneumatiques. C'est des pressoirs qualitatifs parce qu'ils permettent d'avoir un programme de pressurage. Donc, on peut avoir une pression de plus en plus élevée, donc commencer assez bas, afin d'extraire un mou de qualité. Donc, plus on va augmenter la pression, plus on va extraire des composés qui peuvent avoir des notes négatives. Donc, en général, en blanc, on va séparer les premières presses des dernières presses. D'accord. Bon. Donc, on utilise ces pressoirs pneumatiques. En plus, on peut travailler sous atmosphère inerte, donc pour le protéger contre les oxydations. Quand on vinifie en rouge, le pressurage s'effectue donc après la fermentation alcoolique. Il est utile, en fait, pour séparer les parties liquides du vin. Donc là, le programme de pressurage, en général, il n'y a pas besoin de commencer à des pressions relativement basses. Il s'agit d'arriver à extraire tout le vin. Bien sûr, il faut faire des montées en pression pour ne pas colmater. Donc là, après, c'est un peu l'expérience et le type de produit qui va déterminer le programme. Mais on peut utiliser exactement le même type de pression. Et le principe est le même dans les deux. Le principe est le même. Ok. Donc on a essayé de reclasser les questions à peu près dans l'ordre, donc maintenant on va passer plutôt au traitement. Il y a une question autre sur la flash pasteurisation. Appliquée au vin, peut-elle réduire, voire remplacer l'utilisation du SO2? Non, très clairement non. En fait, la flash pasteurisation, c'est une technique qui va permettre de détruire les micro-organismes résiduels dans les vins par l'action de la chaleur. Donc, ça va permettre de stabiliser le vin d'un point de vue microbiologique.
Donc, en ce sens, ça va permettre, peut-être éventuellement, suivant les vins, de limiter les doses de SO2, puisque ça va, en fait, le SO2 est utilisé pour son activité antimicrobienne. Par contre, en revanche, ça ne va pas absolument pas remplacer le SO2 en tant qu'antioxydant. Le SO2 est également utilisé comme antioxydant. Et donc, bon, ça peut permettre éventuellement de réduire, si les vins sont peu sensibles à l'oxydation, les vins rouges notamment demandent moins de SO2 que les vins blancs, mais ça ne peut, ce n'est pas une alternative complète au SO2. En place une partie, mais pas la totalité de la ça, la flash pasteurisation, comme la filtration stérilisante sur membrane, c'est la même chose. En enlevant les risques microbiens, permettent de stabiliser le vin d'un point de vue microbiologique. Mmh. En ce sens, on n'a plus forcément besoin, enfin, on n'a plus besoin de SO2. Mais le SO2, ce n'est pas son seul rôle. Mmh. Voilà. Donc, c'est la flash pasteurisation et la filtration. Ou la filtration. Voilà, c'est là où il y a le choix. C'est l'un ou l'autre. D'accord. L'un ou l'autre. OK. Il y a des alternatives au traitement par le dioxyde de soufre, on nous demande ? Il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement. Alors, comme on l'a dit pour les micro-organismes, ben oui, pour les micro-organismes, il y en a. Pour tout ce qui est de l'oxydation, il y a des études visant à trouver des solutions, des molécules alternatives, antioxydantelles aussi, hein, forcément. Et par contre, pour l'instant, on n'a rien trouvé qui soit équivalent au SO2 sur l'ensemble de l'itinéraire technologique. Voilà. Après, on cherche, bon, mais il n'y a rien de validé dans ce sens. Il y a des choses qui sont validées, mais à certains stades de la vinification, pas forcément sur la... pour certains types de risques, mais pas forcément pour l'ensemble des risques liés aux oxydations. Okay. Mais ça viendra sans doute, mais pour l'instant, non. On a beaucoup de questions sur le SO2, et entre autres parce que les gens se demandent qu'est-ce qui reste après dans le vin. Est-ce que c'est aussi ça qui, le dioxyde de soufre, est responsable des maux de tête? Est-ce que, enfin voilà, il y a une interrogation un peu sur ce sujet. Donc je pense que c'est pour ça qu'on cherche des alternatives. Mais Sans doute, oui, c'est ce qui se dit, hein, mais voilà. Mm-hmm. Est-ce que c'est le dioxyde de soufre ou l'alcool? Je ne sais pas. Non, mais franchement, j'en sais rien. Le dioxyde de soufre est toxique par inhalation, c'est-à-dire les vapeurs. Enfin, quand on manipule du dioxyde de soufre, c'est très rapidement très désagréable, voire irrespirable dans l'atmosphère. Mm-hmm. La toxicité du soufre par ingestion, aux doses où... Elle est utilisée. Utilisée en œnologie, pas franchement. Après, les maux de tête, c'est très dépendant du sujet et de gens qui ont des sensibilités spécifiques par rapport à ces molécules. D'accord. Et une question plus générale sur les traitements, c'est aussi les traitements qu'on met sur la vigne. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent après, est-ce qu'il y a beaucoup de résidus dans le vin? Et est-ce que toutes les opérations de filtration, etc., permettent d'enlever les molécules qu'on a pu appliquer lors des traitements de la vigne du développement de la baie? Alors, ces résidus de traitement phytosanitaire, il y a des études là aussi sur ces molécules et leur rémanence éventuelle au cours de la vinification. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est sûr, parce que ce sont quand même des molécules qui sont très hydrophobes le plus souvent, donc peu solubles, donc qui restent quand même, quand il y en a encore, associées au marc. Et ensuite, pour les éliminer, en fait, on n'utilise pas la filtration. La filtration seule ne permet pas forcément de beaucoup les éliminer. Ce sont des molécules, comme j'ai dit, hydrophobes. Donc, en fait, on va les fixer. Elles vont être fixées par des traitements de bentonite, par des traitements par des fibres. Elles sont absorbées, en fait. On arrive à en enlever, quoi. Ah, on les enlève, oui. On arrive à les enlever, oui. Super. Alors, on a vu, on a fait le rappel sur les différentes fermentations, on a vu après les vinifications en blanc, en rouge, les traitements. Et maintenant, il y a une question sur, une fois que ça y est, notre vin est en bouteille, quel est l'impact de la lumière? Donc, on a la question, le sujet de la dégradation de la lumière n'apparaît pas. Les bouteilles de vin rouge, susceptibles d'être conservées, sont très souvent vert foncé. Je pensais que le vin devait être protégé des photons pour conserver ses qualités. Est-ce vrai ou faux? Et si c'est vrai, quelles réactions chimiques sont en jeu? D'accord. Oui, tout à fait. Donc, la couleur des bouteilles est verte, oui, pour protéger donc, le produit de la lumière. Dans le vin, on a beaucoup de composés et certains peuvent réagir sous l'action de la lumière et donner des produits relativement négatifs pour la qualité des vins.
Donc, parmi les réactions identifiées, alors il faut savoir qu'il y a certainement beaucoup de réactions qui ont lieu, mais il y en a certaines qu'on a pu identifier, notamment les réactions avec un acide aminé, la méthionine, qui est un groupement SCH3S, donc un thiol éther. Un thiol éther, pardon, un méthyl-thiol éther. Donc, la méthionine, sous l'action de la lumière, va se dégrader. Et son produit de dégradation, alors il y a plusieurs étapes dans la réaction, mais son produit de dégradation donc, est le méthanthiol. Méthanthiol qui est une molécule connue pour donner des notes de choux bouillis au vin. Donc quelque chose qui est assez négatif. Pas recherché. Et déconseillé. Donc c'est pour ça que oui, on essaye de protéger un maximum les vins de la lumière grâce à ces bouteilles, notamment de couleur verte. Et la cave, pour que ça soit dans le noir, et température voilà. Aussi alors qui varie après, pas trop. Alors après, il y a ce qu'on appelle un défaut, c'est le goût de lumière, et qu'on va retrouver beaucoup dans les vins effervescents notamment, c'est un problème de certains vins effervescents, des champagnes, par exemple le champagne rosé qui va avoir une bouteille qui est, elle, pour voir la couleur transparente, donc là il y a des alternatives, hein. On peut voir, il y a des coffrets, il y a des protections. C'est sûr qu'on a fait une bouteille transparente pour le côté marketing et voilà. Qu'on voit le produit. Mais le problème, en même temps, voilà, ça... parce qu'on peut l'isoler au maximum, mais quand la bouteille va arriver chez le caviste ou sur les rayons, forcément, ben, il va être exposé à la lumière. Là, il peut y avoir ce problème de goût de lumière. D'accord. Qui est assez important. Donc, si on est adepte du champagne rosé, il vaut mieux l'acheter dans un coffret fermé. Ou une bouteille verte. S'il y a. Ok. Des questions cette fois-ci sur l'élevage et la conservation. Alors, est-ce que l'élevage de vin en amphore est encore une pratique actuelle? Alors, je ne sais pas si déjà, est-ce que c'est de l'élevage ou est-ce que c'est du transport quand on... Alors, l'élevage, l'objectif de l'élevage, c'est de favoriser des évolutions dans les vins et notamment de la dissolution lente d'oxygène. On en a un peu parlé pour les chênes, pour les barriques. On va en parler pour les barriques. On en a parlé en anglais, mais on va parler en français. J'ai fait une confusion. Donc, nous allons en parler pour les barriques. En amphore, je pense que, d'abord, c'est des contenus qui ne sont pas très pratiques en termes de gain de place. Hein. Et en amphore, je pense qu'on maîtrise mal, justement, ce transfert d'oxygène. Donc, les amphores ont été utilisées plutôt pour la conservation et le transport des vins, autrefois, plutôt que pour l'élevage. Et je pense que si elles ont été abandonnées au profit d'autres contenants, c'est que les autres contenants sont quand même beaucoup plus pratiques et puis surtout plus sûrs. D'accord. Mais effectivement, du coup, sur la lumière, l'amphore, elle ne laissait pas passer la lumière. Donc ça veut elle ne laisse pas passer la lumière. Il y avait déjà des choses bon, de trouver. Je pense que ça se conserve mieux en... dans les bouteilles de verre. Une autre question, cette fois-ci plus sur l'élevage, qui dit qu'on a parlé que de l'élevage en barrique de chêne français. Alors je pense que ça a été dit effectivement dans le module sur l'élevage des vins blancs de Bourgogne. Donc peut-être que ça, oui. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on parlait du chêne français. Oui. Mais effectivement, il existe d'autres chênes, dont le chêne américain. Et donc on nous demande quelles sont les différences et quels sont les critères retenus pour l'élevage au niveau du bois choisi pour faire les tonneaux. Bon, mais peu importe, on peut répondre toutes les deux. En fait, les critères qui sont retenus... le chêne, ça c'est clair, oui. Et il y a une différence entre le chêne français voilà. Et le chêne américain? Ben oui, en fait, en fonction des variétés, il peut y avoir des différences, notamment dans la richesse en élagitanin et en composés aromatiques et dans les types de composés qui vont être apportés par le chêne, par le bois au vin. Après, il y a la variété, mais il y a aussi un énorme impact de tout ce qui sont les techniques de chauffe des barriques qui vont en fait générer... qui vont modifier le bois et du coup... Modifier le bois, sa porosité, modifier les arômes. Ces arômes sont formés au cours des opérations de chauffe. Voilà. D'accord. En fonction de la à partir en fait des composés présents. Et est-ce qu'il y a des arômes spécifiques au chêne français ou au chêne américain? Oui, dans le chêne américain, on aura des notes plus de noix de coco, d'arômes de noix de coco, que dans les chênes français. C'est des notes aromatiques qui sont quand même beaucoup plus prononcées. Donc en général, quand on va utiliser du chêne américain, on ne va pas utiliser que du chêne américain. Ça sera après pour un assemblage, pour apporter une touche supplémentaire. D'accord. Mais en général, on vinifie dans une majorité de chênes français. Avec différentes chauffes, comme Aude vous le disait, pour permettre l'extraction de certains arômes
Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on peut utiliser d'autres bois que le chêne. On peut utiliser le châtaignier. Bon, c'est des choses qui sont faites pareil. Hein. C'est sur quelques barriques et pour les, après avoir un assemblage qui va être très riche, avoir un vin plus complexe. D'accord. Donc là, c'est, on parle du bois qui est choisi pour fabriquer la barrique. Oui. Mmh. J'en profite pour poser ma propre question. Il paraît que des fois, on peut rajouter aussi des copeaux de bois dans le vin. Oui. Donc c'est pareil, c'est, on utilise aussi du chêne ou aussi... Oui. C'est le même principe, sauf qu'on n'aura pas, pour l'extraction des composés, sauf qu'on n'aura pas le transfert d'oxygène qui est associé à l'élevage en barrique. Voilà. D'accord. Donc dans ces cas-là, il faut pallier à ça. Oui. Mmh. Il y a des... si nécessaire, par des techniques de micro-oxygénation qui reproduisent en cuve... L'effet tonneau. L'effet de la barrique, okay. Voilà. Ouais. D'accord. Il nous reste un petit peu de temps, alors je propose qu'on passe à d'autres questions. Vous dites qu'il faut décanter les vieux millésimes. Or, j'avais lu qu'il fallait éviter cela pour ne pas brusquer ces vieux vins et ne pas les fragiliser. Qu'en pensez-vous ? Oui, donc au niveau des vieux millésimes, alors le fait de procéder à une décantation permet de séparer donc le dépôt qu'on va avoir au fond de la bouteille, donc avoir un vin sans dépôt dans le verre. Donc ça c'est le premier objectif. Cependant, en général, on procède on met une carafe, donc il y a forcément un apport d'oxygène qui a lieu. Donc cet apport peut être intéressant parce que pour des vins qui ont été à l'abri de l'oxygène pendant plusieurs années sur les anciens millésimes, il y a des notes de réduit qui peuvent apparaître, donc ça permet d'aérer le vin. Par contre, là où ça peut être problématique, c'est pour les vins qui n'ont pas une teneur en tanin suffisante pour pouvoir en fait... contrebalancer cet apport en oxygène qui est quand même assez important. Donc je pense que carafer c'est bien sur des vins donc qui ont une bonne consistance tannique, qui sont assez opulents et qui ont un dépôt qui est assez gênant à la dégustation, parce qu'avoir des particules c'est quand même assez négatif d'un point de vue appréciation, sensoriel. Voilà. D'accord. Donc sur des vins qui sont moins tanniques, est-ce que c'est juste faire attention quand on verse le vin, aller doucement pour essayer de à ce moment-là, il agiter, et sans carafer. En espérant qu'il n'y ait pas des notes de réduit, parce que là, à ce moment-là aussi, mais bon, une note de réduit en le versant dans un verre, on le laisse un petit peu dans le verre et ça permet. Ça sert juste dans le verre et voilà, ça suffit. D'être éliminé. Ok. Alors une question peut-être qui est un peu polémique, je ne sais pas, on va voir vos réactions. Comment décrire les effets du terroir sur les arômes du vin? Et quels sont ces effets? Est-ce que c'est clairement identifié? Laetitia, tu te lances? Donc il y a eu beaucoup d'études sur cette question, parce que c'est une question quand même qui intéresse beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que d'un point de vue empirique, il y a des terroirs dont on sait que tel cépage s'implante mieux, produit un vin de qualité intéressante. Après, à l'heure actuelle, on n'a pas assez avancé dans la recherche pour être sûr, en fait, de l'impact réel. Mais c'est vrai que le terroir, c'est quoi? C'est un sol, c'est un climat, c'est un ensoleillement. Forcément, ça va avoir un impact sur la vendange, la maturité des raisins et donc toute la synthèse des molécules intérieures. C'est évident que ça a un impact. À l'heure actuelle, on ne sait pas... Voilà, on ne sait pas faire le lien de façon scientifique. Voilà. Tel élément impacte exactement sur ça. Voilà. Comme dit Laetitia... Parce que c'est un tout. Tous ces composés, arômes, composés phénoliques sont issus de métabolites secondaires dans la baie de raisin, dont on sait que la synthèse est impactée par les conditions pédoclimatiques. Voilà. Et aussi la pratique culturelle aussi. Tout ça, en fait. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que... Oui. Voilà, après, faire un lien... Enfin, il y a un lien, mais comment décrire ces effets Un lien facile, pas pour l'instant. C'est pas possible. Non, je ne pense pas. La question suivante, quelqu'un nous parle des réactions de Maillard. Alors moi, je n'en avais pas entendu parler, je ne pense pas qu'on l'aborde dans le MOOC, mais vous allez pouvoir nous dire un mot peut-être. Sont-elles dangereuses, en tout cas, dans le vin? En fait, on ne les aborde pas pour la simple et bonne raison que ces réactions de Maillard sont liées à des réactions entre des acides aminés et des sucres, à la chaleur, qui se développent en plus à la chaleur. Donc déjà, on n'a pas de... Enfin, on ne chauffe généralement pas ni les moules ni les vins, sauf exception.
Et quand on le fait dans les vins, de toute façon, il n'y a plus de sucre résiduel, ou très peu. Donc finalement, ce n'est pas un sujet qui... Enfin, ce n'est pas un vrai problème en œnologie, en fait. Voilà. C'est pas un... Et quand on chauffe, c'est toujours des temps très très courts. On fait de la flash. D'accord. On ne fait pas des chauffages longs. Donc, c'est un problème qui n'est pas vraiment présent dans en œnologie. Par contre, aussi, à ne pas confondre, parce que la réaction de Maillard donne en fait... entraîne la formation de pigments bruns. En œnologie, les pigments bruns, c'est en fait des problèmes d'oxydation avec les polyphénols. Donc là, c'est deux phénomènes, c'est pas la réaction de Maillard, c'est des réactions d'oxydation. À la fin, ça fait la même chose ça, En couleur. Un pigment. Okay. Pas en goût. Pas en goût, non. C'est pas du caramel. Le vin est-il à l'origine de maladies alimentaires, on nous demande. Et je suppose que, alors, l'ocratoxine A et l'histamine peuvent être comptées comme des maladies. Ce sont des toxines, c'est pas... Je lis. Pardon. Pas de souci. Donc, ce ne sont pas des maladies qui ne sont pas dues au vin. Non, ce sont des toxines qui peuvent être éventuellement apportées, mais non, ce ne sont pas des maladies alimentaires. Donc, c'est des toxines qui peuvent être apportées par le vin. Par les aliments. D'accord. Pas que le vin. En général. Ok. Et par est-ce que le vin peut être à l'origine d'autres maladies? À part, évidemment, l'alcoolisme, qui est quand même pas des moindres, mais... Pas que je sache, il y a peu de micro-organismes pathogènes dans les vins, il y a peu de graisse, il y a peu de... Non, ouais. Ça ne transmet pas de maladie directement, quoi. C'est pas vecteur, ok. Enfin, pas que je sache. Je propose une dernière question sur les nouvelles technologies dans les procédés de vinification. Ont-elles un avenir ? Il y en a déjà beaucoup d'utilisés, donc c'est pas un avenir, c'est une actualité. Ça dépend de quelle technologie on parle. Tu peux nous donner un exemple peut-être de ce qui est utilisé actuellement en termes de nouvelles technologies? On peut citer des nouvelles technologies comme l'électrodialyse pour la stabilisation tartrique des vins. J'essaie de penser à des choses dont on a parlé dans le MOOC. Hein. Ou alors l'électrodialyse à membrane bipolaire pour le contrôle du pH des vins, pour la maîtrise du pH et donc de l'acidité. Qu'est-ce que je peux penser d'autre? On a parlé de la micro-oxygénation aussi, qui sont des techniques de diffusion très pointues, de contrôle du niveau de dissolution de l'oxygène pour mimer l'élevage en barrique. Ça veut dire qu'on continue à chercher des technologies de pointe pour avancer Oui, puis l'introduction de capteurs, de suivi en ligne, de capteurs pour les suivis en ligne des évolutions des produits en cours des fermentations, en cours d'élevage. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles il y a déjà des nouveautés et qui continuent. Et c'est beaucoup pour les grosses maisons, où il y a aussi les petits vignerons qui s'en emparent au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça se démocratise, c'est l'utilisation des nouvelles technologies? Alors pour celles qu'on vient de citer, par exemple, ça peut se démocratiser dans la mesure où les petites structures ne vont pas forcément avoir accès à l'achat de matériel, mais peuvent par contre sous-traiter à des sociétés spécialisées le traitement de leurs cuves, voilà. Ok. Bon, je crois qu'on arrive à la dernière question, au moins que vous voulez rajouter quelque chose l'une et l'autre, un message à faire passer sur ce module. Bonne continuation, on peut bonne dire. Bonne continuation, oui. Puisque demain, du coup, il y aura le nouveau module qui sera mis en ligne, donc sur la partie économie. Peut-être malheureusement le dernier module. Donc courage pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Vous avez tout notre soutien. Et puis un dernier live la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très bientôt. Au revoir.